une duchesse attentionnée. En octobre dernier, le prince William et Kate Middleton se sont rendus au Pakistan pour un voyage officiel de quelques jours. Une opération séduction réussie pour le couple Cambridge, qui cesse d'attirer les faveurs des journalistes qui avaient fait le déplacement avec eux, mais surtout pour la duchesse, qui n'a pas manqué de respecter les traditions du pays, et d'opter pour une garde-robe adaptée au voyage. Cependant, si elle a assuré sur le terrain, hors de question pour la maman des princes George et Louis et de la princesse Charlotte de s'attribuer tous les mérites. En effet, la duchesse de Cambridge a tenu à remercier dans une lettre, la styliste Khadija Shah, fondatrice de la marque Elan, dont elle a porté de nombreuses créations durant son voyage au Pakistan. Je vous suis reconnaissante, vous et votre équipe, pour la magnifique sélection que vous avez choisie pour moi, même si toutes ces belles choses ont rendu la prise de décision un peu plus difficile. J'ai adoré les tenues que je portais, alors merci pour tout votre temps et vos efforts, a ainsi conclu Kate Middleton, qui a signé Catherine à la main. Une garde-robe chic et chère visiblement heureuse face à tant de considération de la part de l'épouse du prince William, Khadija Shah n'a pas manqué de partager sur Twitter cette lettre, ajoutant que ce geste est louable, et qu'il n'est pas étonnant que la duchesse soit si respectée et aimée. Il faut dire que si elle a le goût des jolies choses et des tenues raffinées, Kate Middleton s'entoure toujours de stylistes pour sélectionner les tenues les plus adaptées pour ses déplacements. Mais l'image de la duchesse bien habillée a un prix. Et pas des moindres. Selon les informations du Daily Mail, la garde-robe de Kate Middleton pour son royal tour pakistanais a coûté 12 500 livres, soit près de 15 000 euros. En effet, pour éviter les faux pas, elle a choisi de mixer des créations de designers avec des tenues plus traditionnelles. Un pari certes osé, mais qui n'a pas manqué de lui servir, puisqu'à chacune de ses sorties officielles, ses tenues ont fait l'unanimité.